Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment modifier le coefficient de marge par défaut associé à la création des dépôts-ventes. Ici, dans Artifact, si je vais sur dépôts-ventes créés, que je choisis une branche, une marque, un nom, je clique sur suite. Ici, mon coefficient est par défaut à 2. Bien évidemment, je peux changer et mettre un 5 à la place de 2 manuellement. Mais si je veux que mon coefficient soit de 1.5 systématiquement et ne pas avoir à le modifier à chaque fois, il y a une solution. Pour ça, on va revenir sur le bandeau d'accueil du logiciel. On va aller sur « Chercher » et on va choisir « Fournisseur ». Ici, vous allez cliquer sur la touche « Contrôle » de votre clavier. Donc, c'est celle qui est en bas à gauche du clavier. Et on va cliquer sur « Chercher » en même temps. Dans la liste des fournisseurs créés, on peut les trier par référence pour que ce soit plus facile. On retrouve un fournisseur qui s'appelle « Dépôt-vente » qui n'apparaît pas si on n'utilise pas la touche « Contrôle » du clavier pour le rechercher. On le sélectionne, on clique sur « Consulter » à droite. On va cliquer sur « Modifier ». On va changer le coefficient de marge. On va mettre 1,50. Puis on enregistre. Maintenant, quand je vais aller sur « Produits créés » pour créer un dépôt-vente, je clique sur « Suite ». Et cette fois, mon coefficient n'est pas de 2, mais de 1,50. Il faut savoir que vous pouvez également modifier ce coefficient pour ne pas voir apparaître un coefficient, mais un pourcentage de marge. Pour effectuer cette manipulation, par contre, il faut intervenir sur les données. N'hésitez pas à nous contacter si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt !